je suis en train de péter un câble contre les industriels. Les mecs qui nous font bouffer de la daube. Alors à ce qui paraît, tu vois, dans la glace, sans la vanille, tu sais ce qu'il y a? Il y a de la glande anale de castor. Pour que la vanille ait plus de goût. Oh, bah, tiens, tiens, normal. Là, on parle de glande anale de castor. Mais tout le monde trouve ça normal, de toute façon. Oh, bah ouais, oh, ouais, ouais, ça rajoute du goût. Alors moi, mon problème, c'est que j'adore la glace à la vanille, j'adore ça. Alors je me dis, tiens, bah j'ai bouffé de la glace à la vanille, tranquille. Une petite glace sans défense. Non, non, je suis en train de bouffer le trou de balle de fer castor. Non mais franchement, les mecs, c'est venu comment cette idée, c'est venu comment? Hey Michel. Oui, attends. J'ai croisé un castor, enfin une castorette, elle m'a fait oui, elle sort de l'eau comme ça, elle me dit oui, tu veux toucher ma glande anale? Oh la vache. Oh la vanille. Oh la puissance de la vanille, Michel. Moi je veux juste une glace à la vanille. À la vanille, c'est tout. Tranquille, tranquille. Je veux pas de trou de balle, je veux rien d'autre. Non mais franchement là, y'en a marre là. En plus, j'arrive pas à m'arrêter, c'est trop bon. Père Castor, pardon. Pardon, Père Castor, j'arrive pas. Quand ici y a marqué Castoreum dans ta glace à la vanille, à la fraise ou à la framboise, c'est qu'il y a de la glande anale, du jus. Pfff.